Yo tout le monde, bon, j'espère que vous allez bien. Il fait beau, il fait chaud, le soleil. Bon, suite à la dernière vidéo que j'ai fait de ma petite présentation, on va dire plutôt à mes trois grandes questions que j'ai répondu, qui me sont posées à peu près tous les jours, vous avez été nombreux à m'envoyer des commentaires positifs et à m'envoyer des messages positifs. Du coup, j'ai décidé de vous faire une succession de vidéos. Mais quoi comme genre de succession de vidéos? Tout simplement. Quand je vous dis Epic Spin, Benny Up, Watchtower, 360, 180, mes couilles... Donc j'ai décidé de vous faire une succession de vidéos tricks, c'est-à-dire je vais présenter le tricks et je vais vous montrer comment le faire, tout simplement. Mais bon, on commence par quoi? Moi j'ai une idée, de toute façon j'ai envie de commencer par ce tricks, me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Donc, Benny Up! Bon bah voilà, je pense que vous avez compris qu'est-ce que c'est un benny up. Un benny up, pas un benny up. Le benny up, c'est lever les deux roues, sauter un petit peu comme un lapin. Un lapin. Bon, bien sûr, le benny up ne vient pas de cette discipline à proprement dit. On a été piqué ça, on va dire, dans le skate, le BMX. En skate, ça s'appelle plus un ollie. Bien sûr, ça s'appelle pas un benny up, mais ça reste dans le même principe. Donc maintenant, je vais essayer de vous expliquer comment faire un benny up. C'est parti. Vous allez voir, le benny up, c'est super simple. Il suffit de maîtriser 4 actions et les faire dans le bon ordre. Accélérateur, embrayage, frein et poids du corps. C'est super simple. Alors comme je vous ai dit, il y a besoin de faire 4 actions. Les deux premières actions qui est nécessaire de faire un petit peu, on va dire, en simultané, c'est l'accélérateur et l'embrayage. Pour lever l'avant, car comme je vous ai dit, c'est comme en BMX, il faut lever l'avant et ensuite lever l'arrière. Bien sûr, ne pas oublier de bien serrer le réservoir. Ensuite, il faudra re-embrayer et refreiner pour bloquer la roue. Ça va vous aider à vous projeter en avant. Bien sûr, il n'y a pas que le frein qui va vous aider à faire le benny up. Il y a aussi votre corps, c'est un mouvement qu'il faut avoir. Donc au moment où la moto commence à lever, on met son poids bien sur ses fesses et on appuie sur l'embrayage et sur le frein pour bloquer la roue, pour nous aider à nous projeter en avant. Tout dans le même temps, il faut projeter son corps vers l'avant pour aider la moto à lever de l'arrière. Voilà la petite vidéo d'explication, c'est fini. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et m'envoyer des messages. Je me ferai un plaisir de répondre. Et surtout, si la vidéo vous a plu, mettez un pouce rouge. Ah oui, j'ai oublié. Bien sûr, si vous voulez d'autres tricks, il va falloir me motiver. Sinon, j'en ferai pas. Allez, je vais rouler.